Culture. Linda, bonjour. Bonjour Fatema Sharef. Alors aujourd'hui, Linda, puisque nous sommes le 7 octobre, vous préférez parler de la Palestine, des chants palestiniens. Absolument. Un souvenir et une chanson peut-être. Un souvenir et une chanson, c'est un souvenir qui va nous faire voyager à travers un 4 juillet 1982. C'était dans le stade du 5 juillet, la période des Algériades. Vous savez, ces mouvements d'ensemble pour fêter les festivités de chaque tous les 10 ans. Et c'est un très très beau souvenir qui me tient à cœur, puisque j'étais aussi présente dans ce stade un 4 juillet et il y avait la présence de Marcel Khalifa, le chanteur. Donc cela veut dire que l'Algérie a toujours gardé ce lien. Il y a un lien très très fort entre la Palestine et l'Algérie. Je voulais vous faire partager ce magnifique souvenir de résistance, d'amour et de partage avec le peuple palestinien. On va écouter un extrait d'une très belle chanson de Marcel Khalifa. Il a chanté juste avant de pénétrer en fait le stade. Hein, il y a donc des sortes de coulisses, de grandes coulisses, et là il était présent avec nous. D'accord. À l'époque. Voilà donc Mouladilou Bila Ounouen, c'était une chanson que tous les enfants de l'époque fredonnaient. Et c'était aussi pour nous donc fêter les festivités du 5 juillet, sans oublier le peuple palestinien et la Palestine. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes ces phrases dites dans cette belle chanson de Marcel Khalifa, on la revit encore. C'était donc, comme un hymne à l'époque, c'est ça? Exactement, c'était une chanson patriotique, c'était une chanson d'amour. Et puis Marcel Khalifa était en notre compagnie, c'était un moment très fort avec sa guitare. Et c'est un souvenir qui me tenait vraiment à cœur et je voulais le partager avec nos auditeurs ce matin. Et quant à nous, on se retrouvera tout à l'heure pour le 100% culturel. Merci d'avoir partagé ce beau souvenir avec nous ce matin, Linda Tamdrari, 7h57, Linda que vous retrouverez dès 9h et à 8h, le journal de Brahim Mazouz.